C'est hola. C'est... Salut. Vous êtes l'ami de... Comment ça s'appelle déjà? Oui, Emma. De Thomas, c'est voilà. Incroyable. Oui. Ah, gracias. C'est plaisir. Ouais. Oui, ben, c'est compliqué, hein, Los Santos, la Mexicaine, les Mexicanos, etc. Ouais, c'est pas, la même. Ouais, ici, il fait un peu plus froid, alors qu'à Mexique, il fait plus chaud, c'est tranquille, hein, bordel. Ouais. Ouf, ouais, bordel. Ouais. Bah. Ouais, c'est bien, c'est bien. Faudrait passer au magasin là pour prendre le téléphone. C'est quoi votre prénom? Vous avez dit quoi? C'est quoi ton prénom? Enfin, votre prénom. Enfin, je sais pas si on peut se tutoyer. Et vous pouvez me tutoyer, c'est Emma comme je l'ai dit tout à l'heure. Ah, excusez-moi, j'ai pas entendu. Enchanté, enchanté. Moi, c'est Diego, enchanté. Diego Alvarez. Enchanté. Ah, bordel. Par contre... Je sais pas où on achète les téléphones parce que j'ai l'impression qu'il n'existe plus le magasin de téléphone. Ça c'est problématique ça. On va aller voir. Ça c'est la merde, c'est la merde là, bordel. On va voir. C'est bien sûr. Voulez-vous acheter des habits aussi? C'est habits, des tatouages, etc. etc. Ok. Parce que la douane, ils m'ont mis du maquillage sur le visage, j'ai pas compris là. Moi, je suis pareil comme mon frère, il a les mêmes tatouages que mon frère, bordel. Ah. Ils aiment pas les tatouages. Ah ouais, c'est ça le problème. À l'aéroport. Oh putain, un monde de 750. Ah. Ah, et... Mais je confirme, il n'y a plus de magasin. Il n'y a plus de magasin, c'est la merde, bordel. Comment je vais faire moi pour... Alors, on va commencer par le magasin de vêtements. Et puis après, on va chercher où on achète des téléphones. C'est très bien, très... Ah, je crois aussi. C'est bon, j'ai trouvé. C'est là-bas. Le téléphone, c'est là-bas. Mais passez au magasin de vêtements, tranquille. Ils ont été foutre là-bas alors que c'était juste à côté avant. Je sais pas. Hop, poil, c'est perfecto. Alors, on va mettre ça là. Bon, mon frère, il m'a envoyé des vêtements là. Il m'a envoyé un vêtement, lui là. Ah, bordel. D'ailleurs, il est où cet enfoiré là? Vous n'allez pas vous habiller comme votre frère quand même? Ben, en fait, il m'a envoyé des vêtements parce qu'il m'a dit que si ça va être compliqué. Il m'a envoyé lesquels déjà? Les gens, ils vont croire que. Ah, bah. C'est l'incarnation. Bah, c'est mon frère jumeau, hein. Comment ça? Quoi? Oh. Mm. Ouais, non, bref, j'ai tout fait avec lui, j'ai tout fait avant qu'il part. Il m'a dit, rejoins-moi à Los Santos. C'est Thomas qui m'a dit, il faut que vous venez à Los Santos. Parce que les affaires se passent pas très bien là. Hein. Donc là, je vais voir mon frère, je vais le prendre dans mes bras et on va faire la guérilla à tous ces chouets putains là. Ça va être compliqué. Je crois que vous pourrez pas prendre votre frère dans vos... Mais c'est que ma soeur aussi, putain, c'est vrai, elle est où celle-là? Attends. Attends. Arrête de dire des conneries. Mais finissez de prendre vos habits, on en reparlera plus. Qu'est-ce que tu me racontes? Il te faut ou quoi, bordel? Vous allez vite comprendre. Commence pas à m'inventer des histoires, hein, toi, j'ai pas envie de t'écouter là. Je veux retrouver ma famille, après on va s'amuser. J'ai aucune histoire. Faudra passer à l'unicorn aussi. Il m'a dit que... Thomas m'a dit que c'était une bonne boîte de nez. Peut-être intéressant. Pourquoi vous voulez aller à l'unicorn? Bah, il m'a dit que c'était une bonne boîte de nez. J'avais m'amuser là. Je viens tout à l'heure de mes secs. J'ai envie de faire la fête là-bas. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas entendu. J'ai dit mon ami Thomas. Le Thomas là, mes couilles là. Il est surtout du cul là. Il m'a dit, fallait à l'unicorn. C'est une belle boîte de nuit. Et on peut se faire la fête là, je vais d'arriver. Faut faire la fiesta, bordel. Comment ça on fait pas mon arrivée? Ce soir. Comment ça, pourquoi? Oh bordel. Parce que c'est fermé. Putain de merde. Fermé comme par hasard, bordel. Et puis ouais. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'y aller tout de suite à l'unique. Mais c'est. Là, je crois que... Ah. J'ai besoin de faire d'autres choses avant. Ah. C'est bon? Ouais, là, je suis bien, là. Allez, on va faire la fête. Bordel. Non, on va pas faire la fête, non. Comment ça? Pourquoi, bordel? Je viens d'arriver à un film, faut fêter ça. On va boire un beau verre de whisky ou de vodka. Un bon verre de oui. On va se bourrer la gueule. Ah. Ah, bordel, ça m'a fatigué tous ces voyages-là. L'avion, tout ça. Je comprends. Est-ce que j'ai la nourriture? Et votre frère, il vous a parlé de moi? Bah, mon frère, il m'a un peu parlé. Il m'a dit qu'il a rencontré une chica qui s'est mise en couple. Je sais pas c'est qui celle-là, je sais rien du tout. Ah, non, c'est pas moi. Il a été baisé partout, hein, ce petit enfoiré. Ah, je le connais très bien. Hein. Ça, je sais pas. Bordel. C'est où l'entrée? Oh. Ah, c'est là. Il y a plein de magasins. Incroyable. C'est nouveau. Ah ouais? Je sais pas, il savait pour... Ouais, c'est tout nouveau. Je viens d'arriver, moi. C'est incroyable, c'est joli, ça. C'est là, là, je pense. Vous savez, s'il y a des trucs à faire en ville, les travaux bien payés. Il y en a plein, les travaux. Hein. Ah, incroyable, perfecto. Putain, c'est pas comme au Mexique. Oui, le policier... Ouah, bon, pour la part travailler avec la guardia. Et non, ça va pas, quoi. Pas travailler avec la guardia. Je sais pas, moi, travailler dans un bar. Oh, guardia. Ah ouais, vignoble, incroyable. Ah, moi, je travaille pas avec, avec la guardia, hein. Ça va pas, quoi. Alors... visage... Sinon, tu fais quoi en ville, Emma? Danseuse de Unicorn. Mais non, jure! Incroyable, oui. Incroyable. Magnifique. Eh ben... Wow. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Non. Ça change. Incroyable, let's go. C'est parti. Magnifique. Merci. Pas de problème. Wow, c'est quoi le problème, le programme, ouais, bref, c'est quoi le bail? Oh, on va discuter. On va parler de votre frère et de votre soeur et... Bah ouais, je sais, t'inquiète. Je sais qu'ils sont, très bien là, dans leur villa, perfecto, avec la milliardaire de dollars qu'ils ont fait. Faut m'emmener où là? Un endroit tranquille. Pourquoi ça vous plaît pas? Un endroit tranquille. Ok, d'accord. Incroyable. Je vais pas vous kidnapper. C'est... moi vous kidnapper, je suis Diego Alvarez. Alvarez, on veut pas marquer. Vous êtes personne, je venais d'arriver en ville. Ma famille, quelqu'un. Comment ça, on est personne? C'est un manque de respect, ça. Hein? Allez, venez. Bordel. Au Mexique, nous, on ne parle pas avec nous. Hein. Nous, on nous demande la permission pour parler avec nous, bordel. Je comprends pas, c'est... Ah ouais, c'est quoi, c'est... Vous voulez peut-être que je vous abandonne et que je laisse vous démerder? Enfin, après... Bon, pas obligé, quoi. Vous croyez que c'est pourquoi que c'est moi qui viens vous chercher, pas votre frère? Bah, parce que vous êtes... je sais pas, c'est Thomas, il m'a dit, il y a une amie qui va venir te chercher. Son amigo, il va venir me chercher, etc. et tout, on va s'amuser, je sais rien, vous me faites peur, là. Je sais pas comment vous dire ça, hein. Dire quoi? Que je suis beau gosse? Ouais, je sais, ouais. On le dit souvent au Mexique. C'est vrai, je suis courageux. Que votre soeur et votre frère sont 6 pieds sous terre. Ils sont morts. Décédés. Arrête de dire des conneries, non, sérieux. C'est folle ou quoi? C'est pas des conneries. Et je sais qui c'est le meurtrier de l'autre. Arrête. Arrêtez quoi? Arrête de dire des conneries. C'est quoi? Elle est où le proc? Elle est où la caméra? Faut te mettre les cendres devant les yeux pour que tu comprennes. Eh, fais gaffe comment tu parles à mon frère. Hein. Comment tu parles de mon frère hein, et de ma soeur. Hein. Ils sont morts. Décédés. Tués. C'est pas une blague, c'est la vérité. Vous me faites du mal hein, comme ça à moi. Alors que je viens d'arriver, vous faites des blagues comme ça. Non, c'est grave. C'est pas une blague. C'est grave. D'ailleurs, l'hôpital que vous parliez tout à l'heure, c'est l'endroit où il a été récupéré. Enfin, qu'il a été déposé une fois qu'il a été récupéré. Il a été dans la morgue de l'hôpital de Sandy Shore. Et j'étais présent quand ça s'est passé. Mais qu'est-ce que je dois faire pour vous me croyez? Je sais pas, l'hôpital de Sandy Shore. Il y a déjà Sandy Shore. Normalement, oui. Bon, on va aller là-bas. Des conneries. Là. Ah, on va essayer. Mais le corps n'est plus là-bas. Mais quel corps? Le corps de votre frère. Ouais. Mais je vous assure que c'est pas une blague. Hein. Votre frère et votre soeur sont vraiment morts. Leur cœur, il a arrêté de battre. Et votre frère... C'est impossible, la famille Alvarez, elle ne me barre pas comme ça. Impossible, hein. Votre frère, il s'est fait découper une jambe, il s'est fait des charcuter. Il est pas beau à voir. Mais j'espère que vous pourrez pas le voir. De toute façon, je pense qu'il est plus à la morgue. Hein. Ils ont dû l'incinérer ou quelque chose comme ça. On va voir le médecin, soi-disant, entre guillemets, qui a opéré. Hein. Ah, bah, s'il est là. On va voir s'il est là. Encore. Bizarre, hein, cette histoire. Il commence à parler. De toute façon, je sais c'est qui, donc. Je pourrais vous le présenter. Hein. S'il est là, c'est potentiellement des balances aux personnes qui ont tué votre frère, donc. Y'a personne qui va tuer mon frère. Je vous dis que votre frère est mort et qu'il s'est fait tuer. Vous croyez que c'est pourquoi qu'il vient pas vous chercher à l'hôpital? Mais parce qu'il savait là. L'aéroport, pardon. Il a aucune vie là, il a jamais eu de vie là. Avec sa chica, il est pas avec des enfants et tout. Tranquille. Mais sa chica, elle est en déprime totale. Parce que son mec est mort. Vous croyez vraiment qu'il aurait loupé l'occasion de venir vous chercher juste pour rester dans sa ville-là? Bah, parce que peut-être qu'il a, c'est avec sa famille, ses amigos, à la villa, tranquille. Ah, vous êtes plus important, non? Si, mais normalement, il devait avoir un taxi qui devait me chercher en Lamborghini, en limousine ou en voiture de luxe. C'est vous êtes arrivé. Il y a quoi le problème? Le problème, c'est que votre frère est mort et que tout ce que vous parlez, ça n'existe pas. Et je sais que c'est un choc, mais c'est pas une blague. J'inventerai pas des choses comme ça. Hein. Les histoires. Attendez là. Je vais essayer d'appeler. J'essaie de les appeler, on va voir s'ils viennent. Mon frère à l'hôpital, pico au corps. Attends, on est où là? Mon appel a été pris. Donc ils vont peut-être arriver. C'était une femme ou un monsieur? Les deux. Oh, what the fuck. Par contre, ils vont croire qu'il s'est réincarné en vous voyant. Il est pas mort, de toute façon. Parce que vous cherchez là. Ah, je vous assure qu'il est mort et ils vont vous le dire et voilà. Mais ça, vous savez qu'à pas me croire, c'est pas grave, hein. Ça va vous tomber sur le coin de la face. Hein. Le coin de la quoi? Ils vous le diront aussi. Le coin de la face. Ah, ok. J'ai compris autre chose. Vous avez compris quoi? Le coin de la fesse. J'allais dire Raoul là. Non. Ah, ok. Oui, allô? Mia? Ouais, faut que je te parle. C'est Emma. Mia, tu m'entends? Oui, c'est Emma. Ouais, oui, je t'entends. C'est quoi cette connerie? Emma Smith de Raoul. Quoi? Oui, monsieur. C'est vous qui avez fait l'appel pour voir Mia ou Oiseau? Je sais pas, je connais pas de Mia, moi. Mais, madame? Parfait, merci. À tout à l'heure. Ciao. C'est qui? L'EMS. Elle est pas disponible. Ah, elle est pas disponible. Ah. Elle est en rendez-vous. Ta caméra cachée ton ballot, hein? Il n'y a aucune qui ne l'a caché. Donc là, elle est en réunion. Et quand elle aura fini sa réunion, elle me rappelle et voilà. Ça finit à quelle heure, sa réunion? Je sais pas. Elle a beaucoup de choses à faire, apparemment. Bordel. Salut, ma belle. Ça va et toi? Ça va. C'est reposant. Ah ouais, pourquoi? T'as trop travaillé? Ah putain, j'avais pas vu. Félicitations. J'avais pas vu. Attends 2 secondes. Est-ce que t'as le numéro de Milly? Milly? Ok, merci. Bah vas-y, à tout à l'heure. Ah oui, je suis conne. Ouais, c'est vrai, merci. Eh, ça fait trop longtemps, 1 semaine d'absence, j'ai tout perdu. Vas-y, bisous. Le problème, c'est que tous les gens qui peuvent te dire la même chose que moi sont pas là. Tu viens avec moi? Ouais. Je vais juste fermer le toit de la voiture au cas où. C'est quoi ton nom de... Moi c'est Diego Alvarez. Ouais, c'est bien ce que je pense. Et pourquoi tu... quoi? Ouais, là, toi, attends, et puis... Bah rien, on va aller au Unicorn, tu voulais y aller. Ah, c'est vrai, pourquoi pas, pourquoi pas. Étant donné que je travaille là, je peux pas rentrer quand je veux. Oh, incroyable. Bonjour. Ça va et toi? Ça va. Je ramène un ami. Tu fais quoi? Si vous voulez aller en boîte, c'est mort hein, les gars, c'est fermé. Ah, je travaille ici. Ah bah voilà. Ouais. C'était bien, incroyable. Oh, les sols, les... Ouais. Ouais. Ah, il a le téléphone. Ouais. C'est fermé si, non, c'est vrai. Bah, pourquoi il... Quoi? Ah, faut attendre. Non. J'ai dit attends. Ok. Ah, attends. Lui, je le connais. Je te présente quelqu'un. D'accord. Mais viens. J'ai dit que t'étais beau gosse. C'est go. Non, il va pas s'approcher. Ouais. Thiago, je te présente Mathias. Enchanté. Mathias, je te présente Thiago. C'est le frère de Raoul. Bon, c'est une petite soirée. C'est terminé, on t'a dit. Ouais, soirée de fou là. Non, il n'y a pas de soirée, c'est fermé. Ah, ok. Du coup, c'est le frère de Raoul. Le frère jumeau, si j'ai bien compris. Ouais, j'avoue qu'il lui ressemble beaucoup. Bah ouais, mais vas-y, on va faire... Du coup... le toxico Thiago, la personne là était présente lors du drame. Et j'étais là, mon quoi. Malheureusement... Attends, viens, ce qu'il y a déjà à côté. Ah ouais, malheureusement, le soir-là, ton frère, il a laissé la vie. Ok. Ah, c'est ton copain, ah ouais, bon... non, vraiment, j'ai capté. Je rigole absolument. J'ai passé tout le temps à l'hôpital avec lui. Pour lui. On rigole pas en fait, on est passé à l'hôpital toute la nuit. Lui, ouais. Il était même présent au moment où il s'est fait déchiqueter. C'est-à-dire... Arrête. Tu peux même appeler le MS, hein, enfin la médecine. C'est déjà fait, j'attends que me recontacte. Ouais, du coup, bref, je suis vraiment désolé. C'est absolument pas une blague, Thiago. Mais désolé de quoi? Arrête. Bah, de la mort de ton frère. Mais arrête de dire n'importe quoi. Ça me pose la... Oh, va là-bas, toi, qui on est deux à te le dire. Ouais, c'est ton copain. C'est pas mon copain. Attends, j'ai une autre question. Je te présente Thiago, le frère de Raoul. Diego, pardon. Enchanté, Diego. Diego Alvarez, enchanté. Enchanté. Ça va ou quoi? Bien tranquille, tout ça, tout le couscous, tout ça. S'il vous plaît, je suis nickel. Perfecto, parfait. Tu travailles ici? Ouais, je suis le patron. Jure, mais non! J'ai une truc. Incroyable, non, t'es trop chaud, t'es trop chaud. S'il vous plaît, c'est bon, je fais plus de mal. Par contre, ça fait mal au crâne ici. Bon, il y a 5 à l'intérieur. J'ai fait 22 petits restaurants. Ok. Du coup, vous êtes le frère de Raoul? C'est le frère jumeau. Mais comment vous connaissez tout le monde? C'est grave. C'est madame qui l'a dit. Bah, je l'ai dit il y a 30 secondes devant. Oh, mais comment vous connaissez? Comment ils connaissent? Comment ils connaissent qui? Bah, Raoul. Bah, parce que Raoul, il était connu. C'est notre ami, bien sûr. Ah, c'est une star. Ah, mon frère. D'ailleurs, attends, parce qu'il m'a pas envoyé de message. Une star à qui on a fait notre deuil, mais bon. La dernière fois que je l'ai vu, il m'avait insulté de fils de pute. Mais c'est pas grave. Quoi? Non. Si, après, c'est vrai que nous, les Latino, quand on est un peu bourré, toi, on fait des quand on est sous coque aussi. La coque. Il s'est excusé. Ah. Après, il s'est excusé. Ouais, normal, nous, on est honnête, les Latino, surtout la famille Alvarez. Ouais, bref, du coup, ouais, il t'a insulté, mais nous, tu vois, nous, les Latinos, surtout la famille Alvarez, tu vois, quand on passe à un truc, on le dit, mais après, on s'excuse. Tu vois, c'est le respect quand même. Vas-y, mon. Après, peut-être qu'il était, je sais pas s'il était bourré. Bref, on ira à l'hôpital. Ah, fais la... Ah ouais, non, c'est fermé, putain. À 1h du matin, peut-être que ça va ouvrir. Vous allez ouvrir? Ouais. Les gars, en vrai, je pense pas. On va faire quoi jusqu'à 1h? Non, je pense pas. Bah, on va peut-être voir... Et c'est quoi ton blase, Mathias, c'est ça? Ouais. Bien, bah, chanter, Mathias, mon gars sûr, toi, t'es mon gars sûr, toi. Chanter. Mikan ou pas? Il est venu, il est rond. Comment tu t'appelles? Michael, oh, pardon. Bah, t'es mon gars sûr, Michael. Ça va ou quoi? Bien? Tranquille. Ouais, toi. Parfait. Patron. T'es un patron de l'entreprise de l'Unicorn. Et du coup, félicitations pour la promotion, mec. Merci. Bah, jure, parce qu'il était pas patron avant. Bah, patron. Moi, ça fait une semaine que je l'ai pas vu. Incroyable. La dernière fois que je l'ai vu, il était pas patron. Bon gosse. Ah, mais c'est Ruby. C'est maintenant que tu captes. Ah d'accord, on m'en connaît plus. Ah mais oui, c'est bon. Je cherchais dans ma tête la voix, je me disais putain mais... La coupe de cheveux, il y a tout, je sais pas. Mais c'est bon maintenant. Mais comment ça Ruby, c'est Emma? Faut que je fasse ça. Oui, bah Emma du coup. C'est son nom de scène. Non mais c'est mon nom de scène, mais il est pas au courant. Incroyable. J'ai même plus de tenue, je peux plus. Bref. C'est moi qui les ai récupérés. Du coup, on n'ouvre pas, Mika? Non, en vrai, je pense pas. Je suis fatigué, Mathias. Puis revenez, on fait une soirée à la plage. Hein. Oh, j'adore les soirées, moi. Incroyable. Moi, en vrai, je pense que si on n'ouvre pas, je vais aller dormir. Je suis promis. Bah, c'est normal, t'es pas trop. T'as pas travaillé, bordel. Oh, on est où, quand même? Bah, Mika. Il est 6h du matin en plus. Bah, ouais, normal. Encore heureux que tu travailles. Oh, bien sûr, va te reposer tranquille. Attends. Ouais, je vais y aller. Bah, ouais. Comme ça, depuis quand les patrons ils travaillent? On est où là? Mais c'est que c'est le patron, il regarde les autres, ils travaillent, c'est tout, c'est comme ça. Eh ben non, pas ici. Mais c'est quand même, oh, on est haut. Qu'est-ce qu'il y a, Wilson? Du coup, c'était censé être une soirée calme privée, et au final, c'était le bordel. Ouais, je sais, t'inquiète. Tu viens, Diego? Ouais, je te suis, hein. J'ai envie de t'appeler Thiago. Non, Diego. Voilà, t'es avec eux. En plus, il me donne mal au cerveau. Ah ouais, jure, c'est ça l'unicorne. Pa. Ah oui. Elle a putain de ta race, ton frère il est mort. Comment tu parles toi, hijo de putain de merde, il est mexicano de merde, tu veux quoi toi? C'est moi, je lui ai mis une grosse balle dans la tête. Quoi? Viens, sors. Tu te bats la main ou tu te bats au couteau? Tu crois que j'ai un couteau là? Vas-y, vas-y, ouvre. Mon frère, il est mort. Ouvre. Et tu parles beaucoup, toi. Hein. Tu sais pas ce que tu racontes. J'ai pas les clés. Ouvre, bah ferme ta gueule alors. Ferme ta gueule. Mon frère, il est mort. Et heureusement qu'il est mort. Ah, c'est qui ce fils de pute là? Je vais niquer. Il veut quoi lui? Diego, c'est mon fils. Eh bah, dis comme ton fils, hein. Je t'aime bien, Michael, mais calme ton fils, hein. Et comment ça, heureusement qu'il est mort? Il est pas mort, arrête de dire n'importe quoi. Il est mort. Niquez-vous, il est pas mort. Non, arrête de crier. Par contre, si, vraiment. Si tu veux pas la loque. Mais non, mais c'est ça. Ouais, c'est Mido là. Et rentre ton cul. Ouais, s'il vous plaît, pour ouvrir, s'il vous plaît. Vas-y, c'est bon, vas-y. Voilà, pardon. Sors. J'étais avec Emma, pardon, excusez-moi, pardon. Pourquoi t'es parti où là? Parce que si tu trouves du cul là, il casse les couilles. Donne-moi ton numéro là, depuis tout à l'heure je cours partout pour te chercher là. Ouais. C'est qui ça? Gek l'auto lui. J'en sais rien. C'est je sais pas, Jason non? C'est Jason la ferraille oui. Oh la mémoire, truc de ouf. Bon, vas-y, ton numéro là. Vas-y, putain. C'est Diego comment? Alvarez, c'est ça hein. Diego Maradona. Alvarez. Si tes amigos sont tous lourds comme ça, c'est grave. Hein. C'est pas mon ami, je sais pas qui c'est. Ah. C'est l'ami. Enfin, je n'ai pas d'ami. Reste en il a pas d'ami. C'est qui le petit là? Casse les couilles, lui, c'est un trou du cul. C'est l'enfant de Mike, j'en sais rien, c'est la première fois que je vois. Bizarre, hein. Bon, allez, viens, bouge. Bordel. Putain, j'ai encore. Et tu me ruines là ce soir. Comment ça, je te ruine? J'ai que des amendes. Parce que j'arrête pas d'avancer amendes. Mais c'est pas ma faute si tu conduis, vite, hein. J'ai peur. Si, c'est ta faute. Comment ça, c'est ma faute, t'es sérieuse? Oui. J'ai peur rien, hein. Tu me fais courir partout. Ouais, vas-y. Et voilà. Cette fois, c'est la bonne. Incroyable, magnifique. T'as vu, elle se ressemble de ouf quand même. Oh ouais, t'allais dire quoi? J'allais dire, tu comptes rester longtemps en ville? Ouais, bah ouais. Hein. Avec la... Je compte m'installer avec la famille, hein. Tu connais, hein. Et si t'as plus de famille? Bah pourquoi j'aurais plus de famille? Descends. Wow, incroyable. De quoi incroyable? J'espère que tu bois pas comme ton frère. Et quoi? J'ai dit j'espère que tu bois pas comme ton frère. Non, moi j'ai pas trop d'alcool, hein. Un petit de temps en temps mais pas trop. Je suis pas fan moi d'alcool. Tant mieux parce qu'il est mort à cause de l'alcool. Arrête de dire qu'il est mort, arrête de dire des conneries. Ça arrêterait pas, c'est la vérité. Arrête. Et t'as qu'à l'assumer. Salut. Hola. À toi la coachée? Non, du tout. Ok. Tu peux m'apprendre à parler ta langue? C'est-à-dire? Bah, je veux avoir l'accent comme toi. Ça, c'est naturel, ça. Oui, mais vas-y, apprends-moi. Comment tu veux que je t'apprends? Ça s'apprend pas. Bah si, tu peux m'apprendre. L'espagnol? Oui. Bah hola, ça veut dire bonjour. Hola. Comment está, ça veut dire comment tu vas. Comment está? Voilà, donc bonjour, comment tu vas. Donc hola, comment está. C'est ça, perfecto. Ok. Après tu vas prendre, tu veux quoi d'autre? Frère, on dit hermano. Hola, comment está, hermano. Voilà, incroyable. Ah yes. Quoi? Ouais, qu'est-ce que c'est? On y va? Quoi? On y va? Ouais, allez, ouais, hasta luego, hermano. Ouais, hasta luego. Voiture bleue. Juste en face, là-bas. Ouais, vas-y, monte. Merci. C'est gentil. Mais pourquoi j'entends pas, moi, le gars en noir? Ouais, ça, c'est du gros son. C'est pas grave, t'inquiète. Alors, hermano. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, gringo? Attends-moi. Ah, gringo. Je te dépose où? Je pense pas que tu vas savoir. Juste en face, là. Mais où ça? Là, juste en face, sur LTD, s'il te plaît. Oh frère, t'es un feignant quand même, hein. Non, mais c'est parce que j'ai couru beaucoup. Je suis épuisé. Merci. Elle est disponible, le médecin? Non. Ah, okay, okay. Sinon, il m'aurait recontacté. Ok, d'accord. Ah, peut-être qu'elle a oublié. Pourquoi hein, tu peux voir le médecin maintenant? Bah, je sais pas, pour confirmer, te dire. Hein. Bah, je sais pas, t'as dit que j'étais une menteuse. Et t'aimerais travailler dans quoi? Je sais pas du tout, hein. Un truc qui rapporte gros, hein. L'illégal? Ouais, j'allais déjà fait assez, hein, l'illégal. Au Mexique... T'as dit quoi? Au Mexique, j'allais déjà fait assez, l'illégal. Donc ouais. Tu veux bien faire? Ouais, on va dire que j'ai pas... il y a un braquage. Dis-moi, Emma. Le négociateur est attendu à la négociation, merci. Oui. Tu vois quelqu'un dans ta vie? Non, j'ai personne dans ma vie. Tu me remercies de quoi? De m'aider. Dans mes débuts, à Los Santos. C'est tout à fait normal. Je le ferai comme n'importe qui le ferait. Ouais, tu sais, je sais pas si beaucoup de gens le feront. Hein. Pourquoi tu penses ça? Bah, d'après ce que j'ai vu, déjà l'unicorn, etc. Les gens, ils sont allés, ils ont l'air d'être un peu énervés, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah ça, oui. En même temps, tout le monde veut s'entretuer. C'est la guerre. T'as dit... Pourquoi? Comment ça? Pourquoi tu dis ça? Bah, parce que c'est comme ça, hein. T'as des soucis en ville? Quelques-uns, oui. Aïe, 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 aïe. Bonjour, messieurs, mesdames, bon date. Toi? What the fuck? Il a dit quoi? Bon date? Il a dit, messieurs, mesdames, bon date. Incroyable. Ah, je savais pas que c'était un date, incroyable. Magnifique. Bah, parce qu'on est à deux. Voilà quoi. Et du coup, c'est quoi? C'est un date ou. Je sais pas, moi. Tu sais pas? C'est un date pour toi? Bah. Peut-être. Un date le premier jour? Bah. Une rencontre, un rendez-vous, hein, pourquoi pas? Bah du coup j'ai un appartement, tu pourras dormir dans le canapé. Ah bah écoute c'est gentil hein, c'est gentil de ta part. Non mais même, il y a deux chambres, tu pourras dormir dans une chambre. C'est plaisir. Moi j'ai un... Il n'y a pas de quoi. J'ai un bon endroit où dormir. Ah ouais t'as un lit et des canapés. Incroyable, magnifique. Et là on va voir qui du coup? Hôpital. Ah, hôpital. Ok, d'accord. Oui la boss. Ça va? Ah, ça va toi? Ça va, ça va. Mia m'a dit de venir ici. Ah, ok, tu seras là aussi. Elle t'expliquait ou pas? Ah ouais, attends, deux secondes, parce qu'il y a un petit problème. Je m'écarte avant de mettre une patate. Ah ouais, ce qui paraît le frère de... Ah ouais, bien joué. Ouais, ce qui paraît, vous ne pensez pas qu'il soit mort, c'est ça? Oui, il me croit pas quand je lui dis que son frère est mort. Alors attends, que je reprenne le rapport. Y'a quoi là? C'est qui lui? Je suis le docteur Le Grand Oiseau, je suis responsable ambulancier, c'est moi qui me suis occupé de votre frère quand il est décédé, c'est moi qui me suis occupé de l'autopsie aussi. Quoi? pas possible, je sais pas. Je te l'ai dit 20 fois qu'il était là, qu'il était décédé. Alors bougez pas, je vous trouve le rapport. Comment ça est-ce que vous pouvez me mettre... est-ce que vous avez l'intranet de l'hôpital Nord, s'il vous plaît? Non, du tout. C'est bon, je viens de vous envoyer, monsieur. Perfecto, je vais regarder ça. Je crois qu'il y a une erreur là, monsieur. Je suis... Mon frère, quand même. Bah, je vous laisse regarder le rapport. Je suis à Sandy Shore, juste devant la porte. Hola. Je viens de lui envoyer le rapport de décès. C'est ok. Si vous me croyez pas, donc... Ah si. Asseyez-vous, monsieur. Prenez le temps et toutes mes condoléances. Et si, du coup, tu lui as montré? Oui, je lui ai envoyé le rapport par mail. C'est ok. Encore là, toi? Ouais. C'est vrai. J'arrête de travailler, j'en ai marre. Et pourquoi tu étais venu en ville pour voir ton frère? Si. Aïe. Gracias. Pas de soucis, monsieur, c'est normal. Et encore toutes mes condoléances, désolé. Et... Ça va? Voilà. Bonsoir. Voilà. Je lui ai envoyé le rapport par mail, et voilà. Et du coup, il vous croit maintenant? Ah oui. Bah, j'imagine bien. Bonjour, mon petit monsieur. C'est le frère de Raoul. Bonjour, enchanté, papy, voilà. Enchanté. Je connais pas trop personnellement votre frère, mais... C'était quelqu'un de bien, ça je peux vous l'assurer. C'est... Merci du coup. Pas de soucis, c'est normal, c'est notre métier madame. Je sais ce que ça fait de perdre quelqu'un de cher, j'ai beaucoup vécu ça moi aussi. Mais il faut rester fort. Tu l'as où, Diego? Non, mais... Tu l'as où? Elle marche un peu. Hé, mon petit Diego, attends-moi, on va discuter un peu. Tu étais proche de ton frère. C'était mon frère, je suis au bordel. D'accord, ok. Je sais pas de quelqu'un de sa famille, j'ai vécu ça moi aussi. C'était mon frère, c'était la moitié de moi, c'est mon jumeau, c'était... Je sais, c'est compliqué, oui. Et tu comptes faire quoi maintenant? C'est ça tes futurs projets, c'est tu sais pas quoi faire? Le mieux, c'est que tu réfléchisses à tout ça, mais ne prends pas la bonne décision. Même si pour les autres, c'est une mauvaise décision, prends toujours la bonne décision. Tu sais, réfléchis à tout ça. Mais t'aimerais pas savoir qui c'est qui a buté ton frère. Ah, j'imagine que la personne l'a regardé dans les yeux, tu vois. T'aimerais pas savoir c'est qui. Moi pour voir chez ton frère. Non, ça te vient pas à l'esprit. C'était à moitié. C'est toi-même qui me l'as dit. Allô? Diego? Quoi? C'est quoi le nom de ta sœur? Paulina. Paulina Alvarez. Paulina? Si. Paulina, c'est Paulina Alvarez. Ok. Allez, viens, on retourne là-bas, mon petit jeune. Je sais que ça peut faire mal, je le sais. Je sais ce que tu ressens. Étant plus jeune, je suis passé par là, moi aussi. Ça, j'aime bien entendre ça. J'ai cru que t'allais t'assagir sur ton sort et que t'allais rien faire. Attends. Pourquoi tu demandes ça? J'essaie de savoir s'ils ont les papiers de mort de ta soeur aussi. Comment ça, ma soeur? De quoi? Comment ça, ta soeur? Comment ça, ma soeur? Comment ça, ta soeur? Pourquoi tu me dis comment ça, ta soeur? Elle a quoi? Je te l'ai dit tout à l'heure, elle est morte aussi. Ton frère et ta soeur sont morts, c'est pas une blague maintenant, je le sais. Sauf que ta soeur, elle a pas été gérée par l'hôpital, donc ils ont pas les papiers. Mais je t'assure qu'elle est morte. Viens t'asseoir dans la voiture. On va rentrer. Ah, je vais pas monter, Si, monte. Je vais marcher, je vais prendre l'air. Allez, viens. Il faut pas que tu restes tout seul. Justement. Faut qu'il y ait des gens autour de toi, faut que tu aies un entourage pour que ce soit ta force mentale. Ça peut te servir, tu sais. J'ai juste envie de marcher, bordel. Non, tu peux pas mourir toi aussi. Non, je veux marcher, prendre l'air. Ah, marcher. C'est coupé autre chose. Donc là, il y a Raoul et Paulina, quoi. Oui, ils sont morts. Décédés. Tués par des gens. Oh putain de merde. Viens avec nous. Écoute, même si tu pleures, ça va pas arranger les choses. Je sais que ça fait mal, mais faut que tu restes fort parce que si tu te détruis maintenant, c'est fini. Écoute, moi j'ai un entourage. Ma famille s'est fait buter complètement. j'ai eu l'entourage, j'ai eu la force mentale, c'est grâce à ça que j'ai... Aujourd'hui, je vais mieux. Et je suis prêt à fumer ceux qui ont fumé ma famille. Alors reste pas comme ça, au contraire. C'est grave, c'est grave. Voilà. Hop, 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 tu crois aller où, là? Je vais monter sur la montagne. Non. Fais gaffe, hein. Je vais juste monter sur la montagne. Ouais. Écoute. Tu comptes faire quoi, là? C'est quoi la suite? Je vais me poser, je vais prendre l'air. Tu veux prendre l'air? C'est. Une fois que tu auras pris l'air, tu voudras faire quoi? Je sais rien encore. Je sais que ça peut paraître tout frais pour toi, tout ça dans ta petite tête. Pour l'instant, faut que j'encaisse. Sache qu'ici, il faut encaisser très vite, sinon tu te fais baiser de tous les côtés. Ouais. T'inquiète pas, papy. Oui, alors bonjour, alors, vous êtes? Ton mental, t'as besoin de le travailler. C'est ma bille. Un conseil. Méfie-toi de tout le monde de cette ville. On peut te baiser n'importe où et n'importe quand. Si. J'ai déjà eu l'occasion de me faire baiser moi-même, alors je peux te dire. Tu fais quoi en ville, papé? Un peu de tout. Du sale, du propre. Toi, à mon avis, dans un premier temps, ça va être de retrouver qui c'est qui a fait ça. Après, je sais qui c'est qui a fait ça, et je sais pourquoi et comment. Intéressant. Mais je te laisse un peu chercher d'abord. Et tu reviens vers moi dès que t'as des infos. Tiens, je vais te donner quelque chose qui pourra toujours te servir. Gracias. M'a beaucoup servi. Je vais pouvoir réparer Chap. Moi, tu peux aussi taper sur des têtes avec dès qu'il y a des gens qui te font chier. Pourquoi il y a une étiquette Tommy sur le marteau? Il a fait sa gravure dessus, le petit Tommy, alors. Il est pas parti les mains vides. Ah, bordel. Le petit con. Non, c'est... C'est le petit Thomas, je l'aime bien, il est sympa. Il était venu de Londres. Ah, incroyable. Bon bah, si j'aurais peut-être l'occasion de le rencontrer, alors. Hein. Ça se pourrait, oui, un de ces jours. Je n'apprends récemment que... J'espère que vous êtes prêts à vous faire braquer, on va peut-être se faire braquer. Pourquoi? Fais chier sans déconner. Putain, c'est pas le moment de se faire braquer. Ça va aller? Quoi? Ça va aller? Peut-être. Y'a pas de peut-être. Ça va aller, c'est tout. De toute façon, t'as pas le choix. Mais il se passe quoi là, bordel? Il se passe qu'il y a des gens qui m'appellent et qui sont chelous. Mais pourquoi? Il t'est arrivé quoi? Il m'arrive des tas de choses. Mais pourquoi on va se faire braquer? Je comprends pas. Parce qu'il y a un mec chelou qui m'appelle et qui a des infos sur moi. Et c'est suspect, c'est tout. Et comme il y a des gens qui me recherchent. potentiellement. Les histoires. Je suis mort de rire. Ouais. C'est toi? Ouais, c'est moi. Dis-moi tout. Ouais, c'est toi, dis-moi tout. Bah, moi j'ai rien d'autre à te dire. Tu me crois pas, je t'ai dit que c'est Adam qui m'a donné ton numéro. Adam? Oui, Adam. A-D-A-M. Tu le connais lui? Si, si. Ok, ok, c'est bon. Bonjour. Ça va? Bien, il veut. Tranquille. C'est vraiment bizarre hein, parce que. Je connais pas d'Adam. Hein. Ah bah écoute. Il ressemble à quoi ce Adam? Il a des cheveux un peu genre comme des locks vers le bas. Des locks blanches. Ah, voilà. Ah, je sais pas, je sais que c'est. Et du coup, pourquoi tu m'as appelé? Je sais pas, il m'a dit t'appeler de dire ça. Je me faisais chier, ben. Ouais, et vu que je me faisais chier que j'avais rien à faire, je me suis dit tiens. C'est qui ton pote dans la voiture là-bas? Bah, c'est mon pote dans la voiture. C'est pas Adam par hasard? Non, non, c'est pas lui. Et tu le connais d'où ce Adam? Je t'ai dit, je l'ai rencontré, on a parlé tout ça et voilà, c'est tout. Et genre dans la discussion, il a dit. Ouais, on, je sais plus pourquoi, mais c'est venu à parler de ça et voilà. Pourquoi ton collègue il joue avec un couteau? Il pourrait se blesser. Parce qu'il a énervé. T'inquiète, pas, je vais pas me blesser. Ok alors. Si tu gères ça. Du coup c'était bon, t'as besoin de rien de plus? Attends, je cherche le gars. Et tu sais où il travaille ce Adam? Pas spécialement non, je sais pas. Ouais. Ok. C'est bon? Ouais. Mais du coup je comprends pas ton but de m'appeler en fait. Je sais pas, c'est lui qui m'avait dit quand tu fais chier, appelle et dis ça, je sais pas. Je me faisais chier. Et c'est la première fois que tu m'appelles? Bah ouais, à moins que t'aies déjà mon numéro, mais je pense pas. Non, je pense que j'attends. Bah voilà. Ok. C'est tout bon? Vachement chelou cette histoire. Ouais, ouais, c'est tout bon. Bon alors je vous laisse, écoute. Bonne soirée. Ah, incroyable, c'est magnifique. Je vais rentrer papy ou pas? Il est rentré, il est rentré. Ah. Première fois que je rentre dans mon appartement. J'ai déjà fait. T'as envie qu'on parle de la mort de ton frère? Non. Je veux pas savoir comment il est mort. Pas maintenant. J'ai l'impression que ça vous fait rire. Okay. À quel moment ça vous fait rire? T'as l'impression que je rigole? Ouais. Je sais pas, tu l'as dit d'une manière. Je sais pas, j'ai l'impression que t'as vu le sourire. J'ai vu le sourire. Bah non. Ok, ok, ok. Si je laisse tomber, c'est pas grave. J'ai pas envie de savoir aujourd'hui en tout cas. Ouais, on peut aller au magasin demain. À moins que papy, si tu veux me prêter ta moto. Si tu veux, vas-y, prends-la. Elle est ouverte? Bah oui. Ok, pas gracias. Pas tout à l'heure. Tu laisses ta moto ouverte, toi? Bah, faudrait pas tellement moi non plus. Salut, ça va? C'est là, un peu compliqué, Vous allez bien? Oui, et toi? Ça pourrait aller mieux, Okay. Parce que j'ai entendu des gens se frapper, j'ai vu une personne à terre, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? En gros, je l'ai frappé sans faire exprès, après elle m'a retapé 2 fois et elle m'a mis KO, je suis blessée. Ouais, bon, je sais pas. Aïe, 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 aïe. Vous êtes amis, Ouais. Oui. Ah, bah, c'est bon alors, perfecto. Vous rigolez entre vous. Ouais. Ah, bah, c'est cool alors. C'est bizarre de voir des gens heureux. Bon. Bon, bah, si vous allez bien alors, et si vous vous amusez bien, c'est parfait. Oui. Ok, merci. Pas de soucis, Je vais pas vous déranger plus que ça, Ah non, attends. J'ai essayé de monter la voiture. Aïe, aïe, aïe. Au revoir, passez une bonne journée. Au revoir. Merci à vous aussi, bonne soirée. Rien faire. Mais... Oh putain, j'avais pas vu le portrait derrière. Oh sa mère, il m'a fait peur. Sa mère, le portrait. Oh la gueule. Ah, t'as eu peur de ça. Père qu'un screamer. Arrête, t'as abusé, t'as eu peur. Ouais, non mais je me suis dit, attends, c'est qui elle? Ah, je suis mort. Où ça? J'ai pas vu. Bah, c'est le derrière, là. Oui, le tableau, là, là-bas, là. C'est pas un screamer. Il a eu peur, non, mais... ça. Oh la gueule. Je suis désolé, Ah, oui, je suis mort. Qu'est-ce que tu fais avec des tableaux comme ça là de chez toi, toi? Bordel. Chez moi, on en parle que c'est la première fois que je rentre dedans ou pas? Ah, tu l'as acheté comme ça, c'est... Bah ouais, voilà, la décoration, elle est à chier. Moi, je l'ai acheté sans rentrer dedans. Ah, bravo, ouais, mais bon, faut passer la douane, quoi. Passer la douane. Car cela peut avoir la douane. En fumette, les yeux fermés. Avant la douane. De quoi cacher la bœuf avant la douane, mais je peux te le faire, si tu veux, je vais en chercher, là. Non, c'est très musclé. Ah, bah oui, littéralement je peux le faire. J'ai déjà... Ouais, non, bref. T'as de la bœuf, jure. Je peux m'en procurer. Envoie. Ah ouais, je crois que t'en avais sur toi, là. Ah, quoi que si, j'en ai, là, attends. Ah oui. Donne, faut que j'oublie de fou, là. J'oublie tout, parapam. Exactement. Ah, tiens, mets-toi bien. C'est quoi ça? C'est de la bœuf? Non, c'est de la mette, ça. Vas-y, c'est encore plus puissant. Oh non, je touche pas à ça. Ah, pourquoi? La bœuf ou la coca, c'est tout. Vas-y, tu voulais te rouler un gros tard. Écoute, j'ai fait des trucs au Mexique. J'imagine même pas. Qu'est-ce que ma petite Emma t'est vénère? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une balance? Ah. J'aime pas les balances. Ah, moi je suis mort là. Papy, tu dors où? Bah, il y a une chambre. Vous choisissez où? Il y a 2 chambres. Bah, elle dort dans une chambre. Non, mais pour vous, il y a une chambre et deux canapés. Ah. Bah vas-y papy, prends la chambre. Bah ouais, quand même, le papy dans la chambre. Ouais. Bah, je vais dormir là tranquille. Tu vas dormir en compagnie de ta femme. Ma femme, ouais, d'accord. Ma femme, ouais. Ouais. Putain, elle a de sa gueule, quand même. Ah, c'est vrai que... quoi... J'ai envie de lui mettre un gros pointu dans le nez. Ah ouais. Gros chasser de tous ces morts. J'ai envie de niquer ces grands morts, la mère. Oh là là. Comment ça, là. Putain, t'as un front, regarde. Garçon front, s'il te plaît. Les... Ah là. Bon, allez, bonne nuit. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Demain, bisous. À demain. À la bise, adieu. Faudrait que je travaille un peu. Ouais, c'est pas de problème. Hein. Pas de problème. Tu viens avec moi? C'est tout, c'est... Pas de soucis. Allez, viens, on y va. C'est parti. Ah ouais, il devait te rendre ça. Attends. Tiens. Bonjour. Bonjour. Voilà, voilà. C'est qui? Qui? Je suis avec Emma. Ok. Il y a le... Vous êtes? Attends, je vais te donner mon dos pour que tu comprennes. Non mais ça j'ai vu, ça me dit pas quitter. Okay. Tu veux que je me baisse, tu veux que je... Attends, je te montre ton pantalon sinon. Hein? Tu vois bien le pantalon là? Je croyais qu'il est Force D, hein, je croyais qu'il est Jack Daniel. Qu'est-ce qu'il raconte? Je croyais qu'il est Force D. Tu dis mais... D'accord. C'est dit mais... C'est qui ce monsieur? C'est qui ce monsieur? C'est qui ce monsieur? C'est Diego. Ok, et toi t'es... Comment tu t'appelles? Ouais, bah. T'es danseuse? Oui. Ok, je t'ai jamais vu ici, c'est pour ça. C'est parce que ça fait une semaine que je suis pas venu. Ok, ok. T'as un problème, t'as un petit problème de voix. Si tu le dis. Bon, je vais vous laisser. Bonne soirée à vous. Tony, tu veux partir? Viens. On y va. Tu peux lui ouvrir la porte, mec en blanc, s'il te plaît. Merci. Oui. Et c'est quoi que tu ramasses là? Du balte. Ah, pour après faire le boisson. Du whisky. Incroyable. Et du coup si tu me racontais l'histoire avec mon frère là. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux tout savoir, tout. Alors, bah, en fait, il y a une soirée où il était bourré. Ok, ouais. Et en fait, il a donné son numéro de téléphone sur une bouteille à une femme. Ok, d'accord. Sauf que normalement, il est en couple. Mm-hmm. Et donc, ça c'est sûr qu'il a donné son numéro de téléphone. Ouais. Et ça a pas plu à la copine. Ouais, normal. Qui du coup a pas été triste et tout. Ouais. Elle a envoyé des gens les buter. Et elle a envoyé des gens les buter. Non, Raoul il a appelé un de ses potes. Ouais. Truc aimé, hein. Qui l'a braqué. Ah le bâtard, kidnappé. Et torturé. Ils lui ont coupé une jambe, ils lui ont gravé à l'oreille le nom de la personne qui a fait ça, avec son numéro et l'endroit où il travaille. Voilà quoi. C'est qui? Oscar, alias Padre. Il est où? Unicorn, il est manager Unicorn. Ok, perfecto. Perfecto. Et donc il a coupé une jambe, il a fait d'autres trucs, mais je me souviens plus trop. Et ma sœur? Et du coup, ton frère est mort sur la table d'opération parce qu'il a perdu trop de sang. Putain bordel. Et ta sœur, je suis au courant de rien, ton frère m'a juste dit qu'elle était morte tuée par un autre groupe. Aïe. Mais je sais pas c'est qui c'était. Ok, d'accord. Putain de bordel de merde. Et comment tu l'as connu, Raoul? Je lui ai mal parlé uniquement. What the fuck? Mais je lui ai fait une blague. Ah. Mais du coup, qu'il l'a pas forcément très bien pris. D'accord. Et que sa femme l'a pas bien pris. Mm. Et bah du coup, voilà. Et il y a un soir où il est venu me parler pour essayer de réconcilier les problèmes entre moi, lui et sa femme. Okay. Et du coup, j'ai passé toute la soirée avec lui et à lui parler. C'est justement la soirée où il était bourré. Ah merde. Putain de merde. Aïe, donc j'ai parlé toute une soirée avec un mec bourré, sans le savoir. Et j'ai pleuré et tout avec lui. On est passé par plein d'émotions. Il m'a dit que sa sœur était morte, tuée par un groupe, que toute sa famille était morte. Ouais, si t'as vécu avec lui pendant les derniers instants, alors je te remercie. Hein. Ordel. Ah, je pense qu'il a eu ses derniers instants de plaisir avec moi, peut-être. Peut-être, hein, peut-être. Et après, bah, c'est finiqué, quoi. Tué par un fils de pute que j'aimais. Quoi? Oui, parce que à la base, moi je l'aime cet homme. Sauf qu'il m'a repoussé, qui m'a fait pleurer. Et voilà. Donc c'est quoi les potins là? Il a joué avec ton cœur et il a tué mon frère. C'est ça. Oh putain de merde. Il est au courant que je sais tout. Ouais, putain. Et donc ton frère est mort à cause d'un numéro de téléphone qu'il a donné à une femme. Voilà. Aïe 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 aïe. Dans quel monde on vit? Et dans quelle ville t'es arrivé? J'espère que t'es heureux. Ouais, incroyable hein. Putain. Bordel. Et du coup, tu connais ce Oscar, hein? Ah bah, je le connais bien, oui. Ah, bordel. Ça doit te faire bizarre de voir le jumeau de Raoul. Oui. Ah, essaye, il me doute. Non, pour être honnête, il t'aime bien. Tu étais là pour mon frère. Et aujourd'hui, tu es là pour moi. J'ai pas été là longtemps. C'est, mais tu as quand même été là. Et je pense que s'il sera encore là aujourd'hui, tu seras encore avec. Donc voilà quoi. Petit drift et tout, non, pas mal. Vraiment, hein. Ah, bordel. Bon, en espérant que ce soir il n'y ait que des bonnes nouvelles. Contrairement à hier. Tu voudrais quoi comme bonne nouvelle? Parce que j'ai rien à t'annoncer. Quoi? J'ai rien à t'annoncer. Non mais je sais, mais... Je peux pas te dire de bonne nouvelle. Ça je sais, t'inquiète pas. Mais je parlais de... que j'espère que cette soirée se passera mieux que hier quoi, tout simplement. Ah, ça va là, non? Si, ça va, tranquille. Il t'accompagne pendant que tu travailles. Je suis tranquille. Bois un coup. Non, on discute tranquille. Ouais. J'aime bien, tranquille. Et toi, tu es bien? Après... Ouais, je suis bien. Bah, c'est parfait alors. Papy! Oh, incroyable. Papy! Je crie pas assez fort, va le voir. Allez, je vais le voir. Tu veux se mettre à côté de nous? Passe-moi ton thune, ça braquage! Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, viens à côté de nous. Je charge les câbles, je te jure, je suis en train de serrer dans ma tête. Pourquoi? Viens. Mais attends, je suis en train de faire la récolte. Bah, tu peux récolter ici. Jure. Tu peux récolter là-bas, bah oui, viens. Jure. Bah oui. Pourquoi tu veux? Je suis en train de serrer mon crâne, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, dans ma tête, je regardais mon portable et tout. Et t'as vu, après le casino, t'as un genre de... Tu sais, t'as des genres de cabines, là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Où tu passes un genre de petit portail et tout pour aller en direction du nord. Non. C'est la frontière, tu parles. Oui. Oui, voilà, genre de truc un peu comme les frontières. Ouais. Dans ma tête, je regardais mon téléphone. Et là, je vois quoi? Brrrr! Accident. Vas-y, farm. Du cul, hein. Chut, ta gueule. Ah, franchement, la vue elle est pas mal, hein. C'est du beau, hein. Bon, un peu c'est gris et tout, tranquille, hein. Un papier. Hein? Ouais. Ah oui. Là. Ah ouais. Ouais, ce soir risque de pleuvoir. Oh merde. Merde. Papi, pourquoi t'as pas pris de sac? Parce que flemme, tout simplement, mon petit jeune. Aïe, 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 bordel. C'est bon, ni sa mère à un moment donné, hein, comme vous dites les petits jeunes. Tu veux une bière, papi? Ouais, si tu veux, j'en ai besoin, là. Tiens, tiens. Attends. J'en ai grave besoin. Attends, je vais te donner ça. Tu la sors d'où, ta bière, toi? Bah, du sac, là. Attends. Mais depuis quand t'as des bières? À une Ken, j'espère, hein. C'est de la 1664. Ah vas-y, c'est pas grave. C'est bon? C'est bon? Pas grave. Attends. T'as de la DSP ou pas? Attends. Voilà. Tiens, frère. Non, c'est... Vas-y, que de la... Attends, tiens, hey, voilà. Hey. Tiens. La prochaine fois, prends de la Inoken, c'est mieux. Ou de la DSP. Ah ouais? Ah, franchement, c'est beaucoup meilleur, je te conseille. Hein. Incroyable, incroyable. Ah, tu veux une bière, Emma? Non, merci, j'aime pas. T'aimes pas? Ok, tranquille. Attends, papy, tiens, je te passe le décapsuleur. Vas-y, envoie. Attends. Parce que... Faut que je l'ouvre. Tiens, tiens, papy, tiens, je te passe le décapsuleur. Ah, merci, tu gères. Tiens, perfecto. Incroyable. Et gracias. Tiens, team, papy, hein. Attends, bouge pas, on va faire team. Attends. T'es sûr? Attends, regarde, tu vas voir. Hop là. Ici plein. Tiens, papy. Attends, fais une, papy. Allez, t'es prêt? T'es prêt? 3, 2, 1. Ting. Voilà, parfait. Perfecto. Moi, j'ai le pack de bière, si tu veux. Bah, c'est moi qui l'ai, du coup, là. Ah, bah, tu le prendrais. Ouais. Je crois que ce soir, on va... ça va y aller. On va se bourrer la gueule. Oui. Bordel. Incroyable. Et dis donc, qu'est-ce que tu fais? Je te remplis ton coffre, arrête de plaindre. Ah d'accord. Bah ouais, arrête de plaindre, papy, bordel. Oh. Ça va, je me plains pas, je demandais, oh là. Ah. Ils sont pénibles ces jeunes alors. Oh, la guardia. Oh, la guardia. Oh, j'ai bien fait. La guardia. Arrrr, bordel. Ah merde, moi il est déjà plein mon coffre, oh fais chier. Un sac à l'autre et puis on prend plus sur toi. Eh ouais, papy, t'as vu ou pas? Il t'a dit, papy. Ne m'écoute pas, bordel. Oh! Même mon frère, il m'a pas écouté, toi. Je lui ai dit, fais gaffe, les Américains, non, ils sont un peu fous dans leur tête. Il est arrivé ici, il s'est fait plomber, putain. Emma, oula, ouais. Oui, j'ai envoyé un message. J'allais dire, t'es mignonne, mais doucement quand même, hein. J'ai pas envie de mourir maintenant, hein. J'ai envie de fonder une famille avant de mourir, moi, hein. Bordel. Tu veux fonder une famille? Bah ouais, pourquoi pas, hein. Et tu voudrais combien d'enfants? Ouais, non, 2, 3. Ouais, 3 enfants, hein, pourquoi pas, hein. D'accord. Et toi? 2. 2? Une fille, un garçon. Oh, c'est mignon. Mais alors, papy, t'arrives quand? Je sais pas ce qui m'est arrivé. Aïe, papy. C'est pas mon jour aujourd'hui. Ah oui, bouge ta mère. Il est où ton véhicule? Je sais pas où il est. Je sais pas, la dernière fois qu'on t'a vu, c'est sur l'autoroute, on va aller voir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était sur l'autoroute. Ah oui, c'est vrai. Putain, c'est lui qui dit des mensonges? Non, pas du tout. Pourquoi t'as dit ça? Non, je confirme, te dire. Je confirme, c'est pas, j'ai pas dit le contraire, j'ai confirmé. Tu vois, c'est pas pareil. Ouais. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé, papy, là? Il t'est arrivé quoi, bordel? Je sais pas ce qui s'est passé. Oublié, t'as dit. Quoi? Il a oublié. Ah, t'étais déshydraté. Aïe. Ouais, ça pardonne pas, ça, hein. C'est casse-couille. Il a oublié quoi? Je sais pas. Bref. Ouais, bref. Ça, c'est pas toi. Ah, mais c'est bon, il est plus, laisse tomber. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais parce qu'il était là-bas, il était derrière. Ah, il était à la sortie de derrière. Il était là-bas, oui, il était là-bas. Vraiment qu'il soit là, mais ça m'étonnerait. Ah, mais non, il est à gauche là. Il est à gauche, c'est pas lui là, à gauche? Ah, oui, c'est lui, c'est lui. Si, c'est lui. Mais c'est pour ça que je colle pas papier. Et comment tu savais qu'il était là? T'inquiète. Ouais, coquine, ouais. Bordel. J'ai mis une balle de GPS sur les véhicules de papy. Et n'importe quoi, et mon cul c'est du poulet aussi. Ah, le fou. C'est parce que j'ai peur de le perdre. T'as peur de quoi? De le perdre. De le perdre? Ah bon? Perdre de quoi? La voiture ou papy? Papy? Ah, je suis mort, tu m'as tué. Ah. Non, t'es pas mort. J'ai encore besoin de toi. Hein. Ah bah voilà. Ouais, la chatte à ta mère, la chatte à ta mère, elle t'a dit qu'il t'en Voilà. Par contre, il va nous suivre. Hein. Il a le seum, hein. Il a grave la haine. Ah non, c'est bon, non, c'est bon. J'ai toujours essayé. Hein. Non, c'est bon, il ne suit pas, il ne suit pas. La chatte à ta mère, elle t'a baisé tes morts, fils de pute. Ah, il a grave le seum. Ah, c'est genre. Ah, je te jure, les trous du cul comme ça. Ça arrive là, ça fait les grosses couilles. Ta gueule, t'es une personne, fils de pute. Je l'ai envoyé sur l'autre côté de l'autoroute. Je t'ai juré. Tu m'as tué. Oh putain, la dinguerie. Oh, je suis mort. Et puis elle a quoi, la chatte à ma mère? Ouais, elle a une chatte comme toutes les meufs. Hein. Bah ouais, logique. Hein. Logique. C'est quoi ce. Je comprends pas. C'est le principe d'une femme. Il est grave con, lui. Bah ouais. Oh, je suis mort. Ah, il y en a ici, c'est... Tu fais plus rien, tu me parles plus. Bah, en fait... en fait, je suis en train de faire la candidature et je crois qu'ils sont... Ah ouais, c'est bien. Mais à chaque fois, il vient, il casse tout, lui. Il me dit non, j'ai pas touché. Putain, merde. Tu veux que je l'encule? Vas-y, je vais l'enculer. Eh, toi, fils de pute, pourquoi? Là, je rigole. Je rigole, j'ai pas parlé RP. Sans couille. Allez hop. Ouais. Beau gosse. T'es bon quoi? Ouais. Bien tranquille. Tranquille. T'as cassé un peu la voiture là et t'as foncé partout là. Mais je te jure que, je vais pas te mentir, mais je te jure que pour mes yeux c'est pas du tout ça. Hein. Pour tes yeux, c'est dommage que... quand même, hein, bordel. Aïe. Si la prochaine fois je viens ici, que ce soit même pas votre voiture, je te montre. Vas-y. Genre le truc c'est que j'arrive, j'ai vu le pare-choc arrière se casser, mais moi j'ai pas touché le véhicule. Ah ouais. Là tu sais quoi, je vais essayer de le refaire. Mais... Vas-y, montre-moi, vas-y, fais un tuto là, vas-y. Tuto. Vas-y. Là t'as foncé dans le mur là. J'ai pas touché le véhicule. Non, t'as foncé dans le mur. Ah ouais. Ah bah, t'es collé au mur, ouais, la merde. Je préfère qu'il défonce son véhicule que le mien. C'est vrai. Donc, regarde, je t'envoie une photo, passe-moi ton numéro, je t'envoie une photo. Vas-y. Non, mais c'est bon. Ah bah, c'est bon. Là, pour moi, t'es plus dans le mur. Là, t'es parfaitement sur au niveau de la ligne, ok, ouais, parfait. Attends, je sais que je suis fort. Hein. Ouais, t'es fort quand même, t'as niqué la voiture, t'as niqué le mur. C'est pas grave. Vas-y, tranquille là. C'est toi qui paye les frais? Et qui c'est à moi? Ah non, mais ils sont de l'entreprise, hein, d'ailleurs. Toi, tu payes rien aussi. Aïe, bordel. Ah bah, t'es pas d'accord? Et l'entreprise, elle paye, hein? La pauvre entreprise. Et c'est quoi, toi? T'es quoi, toi, dans l'entreprise? Je suis runner, si c'est pas la première fois que je fais ça. J'ai travaillé Vigneron, Globoil, Galaxy. Pourquoi t'as quitté? Et c'est quoi le mieux? Pourquoi t'as quitté? Parce que Vigneron c'était pas bien payé, et moi c'était que de la merde. Ouais. Globoil, qui là-bas. C'est casse-couille. Pareil. Ouais. Et Galaxy, le patron, il était plus patron, il a démissionné. Ouais. Et puis là je suis au Unicorn. Incroyable. Et du coup, c'est quoi le mieux? Bah, moi je compte pas rester runner au unicorn. Hein. S'il y a de la place. Tu mets le quoi? Agent de sécurité. Mais faut que tu te proposes. Ouais, s'il y a de la place. Quand il y a des soirées, tu dis que t'es disponible. Et puis s'ils ont besoin d'agents de sécurité, ils t'appellent. Ouais, même si tu ne l'es pas. La gérante, elle m'a dit que elle a mon numéro, elle a le numéro, le numéro, du coup elle peut voir. Tu vois. Elle va nous appeler. Ok. Et si je me faisais recruter un unicorn, tiens. C'est pas compliqué. Hein. Ouais, je sais. On a fini. Tout le monde connaissait mon frère à l'unicorn, donc moi j'ai peur, pourquoi pas. Mon frère c'était très connu à l'unicorn. C'était l'ami de tout le monde. Ouais, justement. Avant que les joyeux putas de merde, les putas madres qui faisaient de la merde. Bonne soirée, on se reverra pas, on arrête. Ciao bye mon gars, hein. Vas-y, hein. Vas-y, bisous, fais gaffe la prochaine fois, bordel, parce que moi je suis pas un bâtard, t'as vu? Mais il y en a qui, juste parce que t'as griffé leur voiture, ils ont ressorti tu vois ma mère encore, tu vois. La voiture elle roule plus. Oh, t'as tapé la voiture. Non, là par contre, tu vois, j'étais juste dit que j'étais pas un bâtard, mais là tu vois, c'est problématique. Mais tu restes toujours pas un bâtard. Ouais, t'as vu le problème ou pas? T'as vu c'est quoi la dinguerie? Non mais là, mais laisse tomber, attends, tu vas galérer. Je vous emmène. Attends, mais en fait, elle essaie de jouer avec les fils. Vous allez jamais arriver. Ouais, t'essaies de jouer avec les fils, mais ça va, tu vas jamais réussir, hein. Tu vas jamais réussir. Ouais, jouer avec les fils, vas-y. C'est pas grave. On va jouer avec les fils jusqu'à rentrer, hein. Bah vas-y, hein, tu veux, j'essaye, hein. Et non, bouge. Je vais le faire. Bouge. Ah, bouge bon. Ta mère. Ah, pour ma mère. Monte. Non, d'accord. Ou je me casse. C'est tout. Okay, attends, ouais. Mais attends, je te laisse pas monter. Pourquoi ma mère? Elle t'a fait quoi ma mère? Arrête! Elle t'a pissé! Elle t'a fait quoi ma mère? Allez, hop, je t'ai baisé, y'a quoi? Hop, je passe devant. Elle t'a fait quoi ma mère? À travers la fenêtre. Elle t'a fait quoi? Mais non, arrête. Tu l'aimes bien? Tu l'aimes bien ma mère? Elle a fait deux magnifiques enfants. Ah ouais. Ah bon? Ah c'est gentil. C'est incroyable. Regarde, t'as vu? T'as dit que j'allais pas réussir. Hein. J'ai jamais dit que j'allais. J'ai jamais dit. C'est lui qui a dit. C'est pas moi, c'est lui qui a dit que t'allais pas réussir, tu vas galérer. Moi j'ai rien dit. Oh la honte. Non, t'es sérieuse? Non, c'est grave. Du coup, il y a deux chambres. Ouais. C'est ta chambre ça. Hein? Ouais, perfecto. Ça va, t'as vu et tout. Bah, excuse-moi, je me suis permis. Je peux rentrer, hein? Ah ouais, t'as cru que c'était chez toi? Bah, je peux rentrer. J'ai capté, hein, j'ai vu. Bah t'es déjà dedans, de toute façon. Bah c'est pas, j'ai ouvert la porte pour voir la vue. Après, si tu m'autorises à rentrer, je rentre. Si tu me réusis pas, je sors, y a pas de problème. Ah non, mais si. Ouais, c'est bien. Oh, petite télé et tout, pas mal. Ah, t'as une belle vue, hein. Incroyable. Ah, vraiment. Merci. Pas mal, petit rayon de soleil. Au moins j'ai déjà trouvé la mienne. Incroyable. Ah bon? Où ça? Là, je dors en moi, là. Ah, la fenêtre? Non, là, j'ai devant moi actuellement, là. Ah, la lumière? Non, là, ah, okay. Là, vraiment, là, ouais. Okay. Non, rien du tout. Je laisse un peu m'emborder. Ouais, c'est pas grave, hein. Qu'est-ce que je m'en fous? C'est tes affaires, hein. C'est tes affaires, y'a pas de problème, hein. Non, t'as une belle chambre, c'est pas mal. Ouais, j'ai un beau livre en plus. Ouais, en fait, t'aurais dû prendre l'autre lit, parce que dans l'autre lit, tu peux monter aussi. Non, j'ai dit un bon livre. Un bon livre? Ah, attends, laisse-moi regarder. Pardon, non, faut que tu recules. Ah, ouais. Non, faut que tu recules. Ok, d'accord, j'ai capté. Ouais, j'aime bien, je vais capter là. Non, j'aime beaucoup, c'est pas mal. Incroyable, hein. Comme toi, tu vois, comme quoi la vie fait bien les choses. Ouais. Mais non, mais l'autre chambre c'est un KGB, je vais pas dormir dans un KGB alors que c'est chez moi. Mais plus vite, la voiture. Ah bordel. Non, vite là, le cuir. Remets la capote, vite. Incroyable. Enfin, je parlais pas de... Enfin, bref, tu m'en... Enfin, bref. Remets... Perfecto, perfecto. C'est moi qui a du cuir. Quoi? C'est moi qui ai du cuir. Ah, c'est, il voit. Faut que je retire le cuir, c'est ça? Oh, bah ça, c'est entre nous si tu veux, mais... Y'a pas de problème, mais... Ça vaut quoi, papy? Je vais. Bon, Emma, elle va être occupée, là. C'est-à-dire... Bah... Elle m'a dit elle a un client. Donc, je crois par une dose, peut-être, je sais rien. Écoute... Je sais pas de quoi quelqu'un parle, enfin, je sais pas. Ah, bah écoute, hein... Avec ses occupations, nous on fait les nôtres, hein. Tu sais de quel client elle parle? Certainement de danse privée, ouais. Ah, je sais qu'elle m'a parlé de danse privée d'heure de Unicorn. Ah, écoute, hein, qu'est-ce que je te dise. Okay. Fait ses occupations, hein, nous on fait les nôtres, et après je te plains qu'on est que tous les deux, faut savoir, hein. Mais c'est vrai. Pourquoi elle se plaint qu'on était que tous les deux? Te rappelles pas? Ah ouais, restez entre vous, gna gna gna, te rappelles pas? Ah, quand j'ai appris, ouais. Ah bah oui. Ouais, d'accord, ouais, je vois. Hein. Donc du coup, faut savoir ce qu'elle veut, elle est partie. Où c'est qu'elle est partie? Je sais rien. Ah d'accord, elle est partie à l'intérieur, je crois. Je sais pas, tu veux qu'on fasse quoi, papy? Tu veux qu'on va à la plage, tranquille là? C'est toi qui vois, écoute. Hein. Moi, mec, c'est que j'allais beaucoup à la playa pour me détendre, le sable, etc. Allez, viens, go, on y va, allez. Allez, c'est parti. Bonjour, mes petits jeunes. Voilà, voilà. Oh, il me fait peur. Là, vous allez bien, tranquille, là. C'est tellement fou sur la musique. Papy. Incroyable. Oh, vous jouez bien, c'est incroyable. Pas mal. Verrez loin d'ici. Magnifique. Merci. Nanana. Je repense à toi, tous ces beaux moments. Incroyable. Ça me rappelle le Mexique, c'est magnifique. J'adore. Mais papy, comment allez-vous? Ça va et vous? Mais alors, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Ah oui, j'ai eu quelques soucis, quelques problèmes, comme vous pouvez le voir. Ah mince. Attendez, je vois toujours? Ah non, c'est bon. La pommade que monsieur m'a mis à TSF. Ah ouais? D'accord. Ah ouais. Excusez-moi, monsieur, vous êtes... Et vous, comment allez-vous? Jace. Ah, vous savez... Jace, c'est ça? Incroyable, Jace. Enchanté, moi c'est Diego. Incroyable, perfecto. Magnifique. Vous jouez très bien en tout cas, c'est incroyable. Incroyable. Sans déconner. J'ai dû porter plainte, plein de choses. Et là encore, je me suis fait tabasser. Voilà. Donc on va dire que c'est ma fête. On verra bien. Vous avez là-bas aujourd'hui, moi ça a été mon jour aujourd'hui. Hein. Il s'est passé quoi? Excusez-moi, Signorita. Oui. Vous vous êtes fait tabasser, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous êtes arrivé? C'est des individus qui tabassent comme ça pour rien. Je suis arrivé hier, mais j'ai compris un peu la ville, un peu. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes fous. Oui. Je vous comprends, c'est... C'est très compliqué. Monsieur, vous devriez faire attention. Ah, y a pas de problème. Vous savez, je suis très bien accompagné. Ah, parfait. J'espère que vous l'êtes aussi. Aïe. Après, oui, c'est vrai que, voilà, je dis ça comme ça, ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais. Aïe. Bah, j'espère que ça ira mieux pour vous, alors. Merci, c'est gentil. Ah, y a pas de problème, c'est normal, hein. Je vous laisse. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, Signorita. Jace, à plus tard. Vers quelle heure? Pardon? Vers quelle heure? Oui. Alors, quelle heure vous convient, papy? Dans l'après-midi sûrement, si vous êtes là. Alors dans l'après-midi, c'est-à-dire en fin d'après-midi? Ah oui, si, bah, après ça... Papy, plus 14h ou plus 16h, 17h? Ah, 16h, 17h, non? Eh ben, 16h, 17h, je serai présente. Donc, eh ben, mais c'est parfait, ça me dit tout, c'est nickel, bon, c'est parfait. Parfait. Incroyable. Papy, incroyable. Je vous souhaite une bonne soirée. Et profitez bien de la musique si vous restez encore ici. Monsieur, mais je connais pas votre prénom. Moi, c'est Diego, enchanté. Diego, enchanté. Vous êtes Rose. Rose, enchanté, Rose. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée aussi à vous. Pas de problème, bonne soirée à vous et faites attention à vous alors. Merci, je vous laisse. Pas de soucis. Rose. Rose. Tu me donnes pas que je t'aime pas? Je sais que ça me dit quelque chose, Rose. Ah ouais? Non, c'est bon. Ouais, je t'ai déjà entendu ce prénom quelque part. D'accord. Bon, bah viens, papy. On va. Allez, mes jeunes gens. Au revoir, à plus tard. À plus tard, bonne soirée. Hein. Vous incroyable, vous jouez très bien de la musique, hein, parfecto. Hein. Pas de problème, hein. Ah, bonne soirée, faites attention, madame. Hein. Au revoir. Oui. Ça va, tu vas arrêter un peu ton baratin. Ah, fais attention, moi, c'est bon. Hein. Laisse-moi, oh, bordel. Laisse-moi trouver. Taïma, c'est bon. Comment ça, Jaima? Comment ça veut dire quoi ça? Eh, tiens, les clés, hop. Hop, eh, gracias. Hop, je récupère. Ah, magnifique, comment ça, Jaima? Ah là là. Je sais pas moi. Bah c'est vrai que Emma me plaît beaucoup mais... Bah voilà. Oui j'imagine, hein, écoute. Pas te mentir, mais bon voilà, tu connais. Hein. Oui on connaît, je vois ce que tu veux dire. Mais bon moi malheureusement j'aurais bien fait un petit truc. Mais bon on est d'accord sur une chose, hein. Ça se sait mais ça se dit pas, hein. On le sait tous les deux. C'est... Comment ça? Après je sais pas papy, c'est vrai que t'es... Voilà. T'es assez... Je vais pas te mentir, ton âge fait que... Voilà... Ça bloque un peu, et pas te mentir. Tu vois, je suis honnête avec toi, papy. Ah. Ouais, pourquoi pas, après. Voilà quoi. Super. Incroyable. Suavemente, mère. Quiero que te sabes. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre cette musique. Mente. Ouais, ouais, non, c'est parce que tu corps quoi, c'est parce que j'étais mon bien, c'est tranquille quoi. Ça va? Ouais. C'est. Non, c'est. Tranquille quoi. Bien? Ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as cru que j'allais caler, j'allais toucher l'héritage? Quoi? Non, mais. Quoi? Qu'est-ce que. Quoi? Oula! Ouais, bref, allez, on y va. Mais où? On va où? On vient d'arriver! On vient d'arriver, bordel! Oh, c'est bête, hein, faut que je me mette en détente. Ah ouais! Tranquille, tranquille, au profit de la playa, bordel! Oh! Bordel, bye bye Taractopel. Tu te fous de ma gueule, papy. Descends. On se met en détente, hein. En relax, en détente. Regarde, ici on va aller demain. Reviens, on va se peigner là, papy, viens. Tranquille là. T'es un franc, enculé. Et alors, bordel. On profite de la vida, bordel. Incroyable. Tu vois. Ça va, papy, tranquille là. C'est. Tu sais, au Mexique, on profite bien de la plage, hein. De la playa, comme on dit. Ouais, surtout des petites mexicaines, hein. Ah, ça je peux te dire que está bien, está perfecto. Está bien, sí. Sí, incroyable. Je peux te dire que les mexicaines... Ah ouais. Si je pourrais te dire un conseil, essaie de trouver Une Mexicaine. Quiero tu un Mexicaine, hein, est-ce que je vois? C'est grave. Ouais, mais le gouvernement, ça serait à revoir, hein, parce que... Ah, ça, il comprend, il voit tout à fait ce que tu veux dire, hein. Ouais, parce que le gouvernement, c'est toujours n'importe quoi. Je suis sûr que même le gouvernement, un petit billet dans la poche, ça ferme les yeux, ça ne va plus rien, ça devient aveugle. Toi, c'est qu'il y en a un qui était bien, qui était venu me voir, le gouvernement, m'a fait... Oui, papy. J'ai fait, ouais, comment tu vas, mon petit jeune? Il m'a fait, ouais, ça va et tout. J'ai fait, je t'oublierai jamais. Je sais pas pourquoi, mais moi, il m'a dit, moi aussi, je t'oublierai jamais, papy. Il m'a fait, je te surveille de là-haut, ne t'inquiète pas. J'ai dit, tu gardes un œil sur moi, hein? Il m'a fait, oui, j'ai... Oh, merde, voilà. Ah, cœur sur lui. Sans déconner, c'était un bon. Papa, magnifique. Qu'est pas ça? Regarde. Ah si, está bien. Ah, t'as vu, c'est magnifique. Está perfecto, papi, j'ai envie de te dire, hein. Moi, ce que Emma, elle est pas là, tu vois. Bah, après ça... On sera à trois, tu vois. Le trio, tu vois, comme on dit. Je sais pas pourquoi. Ah, t'es coquin, va. La papi, t'es resté coquin, hein. Bordel. Ah oui, bah oui. Ah, il le faut, tu sais. C'est, profite encore. Je me prends pas la tête, moi je profite. Au Mexique, il y a beaucoup de femmes, tu vois, qui profitent un peu, tu vois. Ils profitent parce que, voilà, j'ai fait des choses dans ma vie qui m'ont permis d'avoir beaucoup d'argent, tu vois. Il y a des chicas qui m'aimaient parce que je suis, tu vois. Petit latino frais, déterminé, tu vois ce que je veux dire. Énervé, bah, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Dans ce putain de pays, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça, qu'ils sont hypocrites, tu vois. C'est pour ça que les Américains, ils sont hypocrites, tu vois ce que je veux dire. Putain de merde. Hein. Et c'est pour ça que l'honnêteté, ça leur plaît pas, parce que ils sont tous hypocrites, c'est tous des menteurs entre eux, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je me méfie beaucoup, hein. Je me méfie surtout là, je viens d'apprendre que des Américains, putain de merde, hein. Tu vois, ils étaient tous réunis. Oscar, c'est qui lui, Oscar? C'est un latino ou c'est un américano? Ah, je sais pas. Parce que c'est que aussi maintenant que les latinos, hein, ils ont côtoyé des américanos, ils ont changé de veste, hein, ils retournent le veste facilement, hein, alors qu'ils ont aucune valeur, hein, certains des latinos, tu vois, certains latinos c'est des jouets de puta qui retournent le veste, c'est des traîtres, tu vois, moi j'appelle ça des traîtres, tu vois, ceux qui retournent le veste parce qu'ils sont accompagnés d'américanos, qu'ils ont plus de pouvoir que... Tu vois, sur ce pays, tu vois, ils en profitent, tu vois. Que t'as du pouvoir ou quoi, rien à foutre, tu vois. Je préfère mâcher dans la merde que t'as du pouvoir et que t'es américano, un hypocrite de merde, hein. Bordel, tu vois. Sache que ce petit Oscar, là, il travaille à l'Unicorn. Oh, incroyable. On le surnomme Padre. C'est, Emma m'a dit. Intéressant. Je vais le choper, lui, hein. Si on a une bonne organisation... Tu vois, même si j'ai promis, tu vois, d'arrêter le trafic, d'arrêter l'illégal, c'est vrai. Tu vois, je veux m'arranger. Mais il faut que je venge mon frère, tu vois ce que je veux dire. Ça fait que si on a... Voilà, qu'on ait des contacts, on est des personnes de confiance. Et tu crois que je fais quoi, là, tous les soirs quand je suis pas là? Eh, papy, moi, je te dis, hein. Si t'as l'occasion de le choper, appelle-moi, hein. Appelle-moi et je lui arrache la gorge, tu vois. Je lui crève les yeux avec des fourchettes. Je lui arrache la gorge, je vais lui faire bouffer mes couilles à ce putain. Dis-toi, t'es pas le seul à vouloir sa mort. On est plusieurs, à vrai dire. Je vais lui arracher la bouche, je vais lui trancher la gorge, je vais lui faire saigner, je vais lui arracher les couilles et lui faire bouffer à ses enfants, ce putain, le bordel. Touche pas à la famille Alvarez. La famille c'est sacré. Et là on a touché à mon jumeau. Putain de merde. Hein. C'est grave. D'un côté c'est bien que tu veux... que tu aies des ambitions comme ça. Mais sache qu'avant d'avoir des ambitions, faut bien calculer son coût. C'est bien sûr. Au Mexique on a toujours calculé nos coûts. On analyse. On fait un plan. Et on attaque. C'est toujours comme ça qu'on a marché. Et c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné. Malheureusement, Raoul, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'alcool, les femmes et son honnêteté l'ont détruit. Et ça c'est quelque chose de grave, tu vois. Le fait d'être honnête, c'est... Normalement, c'est une qualité. Si t'es honnête avec la personne, ça doit être une qualité. Et malheureusement... Qualité comme un défaut. Comme une qualité comme un défaut, c'est vrai. Des fois, on est trop franc. C'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai, c'est la vérité. Mais... Vous mettre franc que d'être hypocrite, c'est ça le truc. Ah oui, je suis d'accord, oui, oui. Je préfère que ça blesse des gens, que je fasse l'hypocrite. Ouais, mais non, mais tu sais, je m'en bats les couilles, tu vois. Je m'en bats les couronnes, tu vois ce que je veux dire. C'est une personne qui a beaucoup de pouvoir et qui a commencé avec rien, tu vois. C'est comme moi, j'ai commencé avec rien. J'ai commencé en volant des pierres tombales et en les revendant, tu vois ce que je veux dire. J'ai effacé les gravures dessus. Et je revendais ces pierres tombales, tu vois ce que je veux dire. J'ai commencé avec les pierres tombales, j'ai commencé à faire des petits braquages, tu vois ce que je veux dire. Et après, petit à petit, j'ai commencé avec la drogue, j'ai commencé avec ça, tu vois, jusqu'à avoir énormément d'argent. Jusqu'à ce que, voilà, j'ai commencé à avoir des soucis, tu vois, parce qu'une fois que tu as du pouvoir, forcément tu as un peu d'ennemis, tu vois, parce que les gens sont jaloux, tu vois. Les gens sont jaloux. Les gens aiment pas ce que tu fais. Ah, bordel, incroyable. Ah, mais si, mais c'est le garage d'Emma. Elle m'a dit, tu es où, mon beau? Mon beau. Oh, papy, t'as une touche, je crois. Kiki. Oh là là, comment tu vas? Kiki. Comment tu vas? Ça va, ça va. Tu t'es bien amusé avec ton client? Amusé, non. Ah. Ah. J'ai dansé, quoi. Ouais, c'est bah, ça que je voulais dire, quoi. Tu t'es bien, bien amusé, dans le sens où... Voilà, enfin bref, tu m'as compris. Ouais. C'était bien, alors. Bah, j'ai bien dansé, quoi. Et c'était cool, c'était apprécié. Vous avez fait quoi, vous? On s'est pignolé. Ben non, on est parti à la plage, comme d'hab, hein. On a discuté, tranquillement, hein, tu sais. Vous avez discuté de quoi, hein? Bon, de tout, oh là là. De tout et de rien. Non, c'est pas celui-là. On a discuté de tout et de rien, pourquoi? C'est bon, je m'intéresse. C'est pas loin. Si, bien sûr que tu adoreras. Y'a pas de problème. Ah, hein, sinon, je peux fermer ma gueule, hein. Y'a pas de problème. Mais non, pourquoi tu fermes ta gueule? Mais bah voilà, bah oui, pourquoi? Je sais pas, ça a l'air de déranger quand je pose des questions. Mais non, y a pas de problème. Ah bon? Je vais te dire qu'il n'y avait pas de souci, tu avais le droit. Pourquoi tu... c'est pas mal ça. Pourquoi tu te braques directement? Il t'a dit, y a pas de souci, tu as le droit de savoir. Pas besoin de fermer ta boca. Non, on a discuté un peu de nos vies, voilà. J'ai appris à connaître papy, il a appris à me connaître. Voilà quoi, tout simplement. Effectivement, oui. Tout simplement. Oui. Bah oui, je vais le retirer. Bon, allez, ta gueule, on y va. Ah, ouais. Ah, bon, d'accord. Voilà quoi. Allez, voilà. Le poulard, t'es pas le poulard là. Si, il y avait. Oh, ça c'est bon. Il est où, papy? Il est parti dormir. Merde. Pourquoi? Bah rien. Ok. Vas-y, conduis, je vais finir. Ok. Même pas il m'a attendu pour dire au revoir. Bah je crois qu'il était KO, hein. C'est allô? Oui. Allô? Si. T'entends? Si, il t'entend. Ouais, tu es au garage? Non, de tout. Ah oh, putain de merde, t'as une bagnole à disposition ou pas? Non, du tout. Merde, frère. Oui, ben en fait, ouais, c'est compliqué pour toi de venir. Ah là, ouais, ça y est. Putain, c'est la merde. Ouais, non, bon, mais tant pis, écoute, parce que là, il me fallait aller au garage, si, je me suis réveillé au tatouage, là, de l'autre fois. Ça fait un peu loin, mais toi, tu vas trouver quelque chose à faire ou je te repère et tu fais tes affaires? Bah je te mens pas, y a rien à faire, hein. Bah c'est compliqué quoi. Ah de fou, hein. Que tu me tiens au courant, hein. C'est pas de problème, papier. Ah Allez, la bise à Denis. La bise. Ah, perfecto. Tiens. Attends. Ah. Vas-y. Tiens. Merci. Ouais, j'ai posé, j'ai posé. Au minimum qu'on vous demande. Allez, c'est là. Bonjour monsieur. Hop là. Hop. Tac, 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 tac. Allez-y, vous pouvez passer. Gracias. Pardon. Voilà. Gracias. Hola, hola. Attends, monsieur. Hop, je vais faire la petite facture. Allez-y, allez-y. J'espère que c'est pas trop salé, hein. Regarde. Pas quand même. Oh, ça va, tranquille. Gracias. Allez, passez une bonne soirée, monsieur. Pas de soucis. Ah, jure, bordel. Incroyable. Allô, bordel. Oh, 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 non, calme, calme, c'est mes pouvoirs. Ok, tranquille, tranquille. Ouf. Ouais, señor. Señor, hermano. Oui. Où est-ce que, s'il te plaît? Excusez-moi, vous avez quelque chose à me dire ou... Quoi? Ah. Oula. On a un mec qui est tombé dedans, s'il vous plaît, venez le sortir. Je sais pas, je vois ta bouche tout le temps bouillie. Ah bon? Eh, gracias, señor. C'est bizarre parce que la mienne, je vois qu'elle est. Bonne santé, beau gosse, hein. Oh, jure, papy. Ça vaut quoi? Bien tranquille. Ça vaut quoi? Tranquille, tout le couscous, tout ça. T'es trop chaud, t'es trop chaud. Incroyable, bordel. Magnifique. Attends, viens, j'entends rien avec la musique, bordel. Baisse-la, baisse-la. Tu sais comment faire pour la baisser ou pas? Bah ouais, mais ça marche pas, c'est pas pareil. Bah si, c'est pareil. Mais non, c'est en fait, c'est le mec là. J'ai un, je sais pas, j'en sais rien, il fait quoi? Ça va ou quoi le S de la caille? Ça va ou quoi papy, bien ou quoi? La caille bordel. Ça va ou quoi? C'est tranquille le bordel. Aïe aïe aïe. Pignouf de la caille. Pourquoi pignouf? Bah c'est un vieux délire avec les vagos que j'ai vu. Avec quoi? Quoi? C'est papy là? Eh oui c'est moi. Papy, tu viens jamais en sécurité papy? En sécurité, non, c'est en fait c'est que j'ai des problèmes de tête. En fait, si tu veux savoir, dans ma tête, c'est tu vois. Sa grand-mère, on va devoir libérer la place. J'ai ramené l'anti. Est-ce qu'on a besoin de recruter des gens, nos papis? Eh oui, papy, non, si tu prends la place et que tu es jamais là, on doit libérer pour avoir du monde, tu vois. Michael, il est pas là ce soir, c'est Barbara et moi qui gérons. Ah, d'accord, ok, je vais, ouais. J'ai vu comme il me parle, ce fils de pute de Padre, voilà pourquoi je l'aime pas. Ah, c'est lui? Mais oui, c'est lui. Tranquille là, hein. Ah, tu vois là. J'ai pas travaillé. Et alors, qu'est-ce que ça peut lui faire? C'est pas lui le chef, c'est Michael. Alors, il va pas commencer à me casser les couilles, parce que moi, tu vois, ça va être vite fait. Hein. Ah, putain, qu'est-ce que j'ai hâte d'être là, mon membre. Ouais, bref, c'est pas ça, mais moi, je vais m'amuser, hein. Ouais, bah oui, bah j'imagine. Ouais, mais je m'en fous, j'ai de surveiller, moi. T'en fais pas, tu vas voir. Et t'arrêtes, parce que sinon, tu continues, tu vas te prendre une baffe, hein. Attention, ne bois pas trop, hein. Et je bois pas, et je bois un verre. Laisse-moi tranquille, bordel. Ouais, ouais, ouais. Par contre, il y a un problème, hein. Par contre, avec Mick et tout, tu vois que je vais leur faire le rapport, moi, tu vas voir. Ils vont être contents, moi, je te le dis. Ah, bah écoute, hein, papy. Non, non, mais tu vas voir, tu veux jouer à ça, on va jouer à ça, y a pas de problème. Tu vois que ça va être vite fait, moi. Ah ouais? Y a clairement personne, quoi. Je vais aller voir, Bambi. Tu vois, ça va être vite fait. Bah écoute, Bambi, c'est tes problèmes, hein. Tu veux connaître les quoi, moi, hein? Oui. Voilà. C'est chambiste ici? J'ai mon Milly. Nanani nanana. Bon, j'y vais. Tu vas où, papy? Je vais aller à mon rendez-vous après. Tu me diras ce que vous faites. Vas-y, vas-y, pas de problème. Hein. Reste le go, papy. Fais attention à toi. Fermeture définitive dans 10 minutes. Excusez-moi, seigneur. Si, dis-moi. Si, vous allez bien, tranquillo. Si, tranquillo. Vous travaillez ici? Si, je suis manager, seigneur. Ah, manager, incroyable. Ça va, c'est pas trop compliqué. Non, je gère comme on peut, t'inquiète, pas de soucis, seigneur. Ah, d'accord, ok. Après, je dis ça parce que je sais que voilà, dans cette ville, je suis arrivé il y a 2 jours, mais. Dans cette ville, il y a beaucoup de personnes un peu fous, donc c'est compliqué, non, ce genre de boîte de nuit à gérer comme ça, là. Oh, mais après, on a l'habitude, hein, c'est notre travail, notre profession. Ouais, après, oui, c'est vrai, je comprends. Bah écoutez, ça va alors, c'est parfait alors. Hein. Moi, je peux te déranger plus que ça, hein, je vois que vous êtes en plein travail. Peut-être ça, vous. Oui, de toute façon, pas tarder à fermer, hein. C'est hasta luego, seigneur, vous aussi. Ah, vous n'allez pas tarder à fermer. Dans une dizaine de minutes, là, les entrées, c'est terminé. Après, on fait sortir les gens au fur et à mesure. Ok, d'accord. Ok, très bien, pas de problème. Bon, bah, parfait, toi, là. Bon, bah, je reviendrai à l'occasion, hein. Franchement, c'est une belle boîte. Ok. C'est pas mal, J'aime beaucoup. Mon frère, on m'a dit que mon frère venait beaucoup ici, alors, bah, de base, j'étais venu le rejoindre, mais bon, malheureusement, hein. Voilà. Votre frère, c'est qui? Raoul. Ah, mon frère jumeau. Si, je l'ai vu venir quelques fois ici, oui, c'est vrai. C'est mon frère jumeau, on m'a dit qu'il était très connu à l'Unicorn, il y avait beaucoup d'amis. Hein. Incroyable. Ah oui, il est passé quelques fois, oui. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est bien, alors. C'est bien. Oui, c'est son frère jumeau. Enchanté, moi c'est Diego. Hein. Eh bien, enchanté, Diego, moi c'est Padre. Padre, incroyable. Enchanté. Ah bah c'est parfait, Bon, je vais pas vous déranger plus que ça, seigneur Padre. Si, bien sûr. Donc vous êtes très occupé, alors... Bon, à l'occasion, pourquoi pas de se revoir, hein? Pas de soucis. Si, pourquoi pas, seigneur. Ah, parfait, alors. Peut-être une soirée ou quoi, pas de problème. Si, pas de soucis. Hasta luego. Hasta luego, seigneur. Bonne soirée. Ça va? Ça va et toi? Oui. Ah. Nickel. Tu t'es bien amusé? Ah bah. Incroyable. T'es avec qui dans le garage là? C'est un collègue de travail. Ah ok, d'accord. Ok. Alors l'entretien? J'ai un autre rendez-vous demain à 23h. Madame, vous avez pas le lien par contre? Avec qui? Avec le patron. Vas-y, merci. Bah, t'étais pas déjà avec le patron? Si, mais en fait, j'ai parlé avec eux. Ils m'ont redonné un autre rendez-vous en fait. T'as capté? fils de pute. Il va se passer quoi là? En gros, je dois apprendre le règlement, je dois apprendre des fiches, des trucs techniques, etc. Parce qu'à Skip, c'est grave galère à la mort. Du coup, mais par contre, c'est payé de fou, malade. Je suis fils de pute de Padre, tu vois, je vais m'en occuper, moi. Mais tu sais que je l'ai vu en plus, hein. Derrière, il marchait pas derrière. J'étais derrière, je me suis posé contre le mur et je l'observais, tu vois. Et j'ai vu Barbara, je crois qu'elle s'appelle Mercedes. Ouais, vas-y, elle prend trop la confiance. Écoute, elle a une OG Rose. OG Rose, elle est partie derrière, là, vers le LTD. Ah, voilà. Oui. C'est qui, lui? Je sais pas, hein. Elle est partie d'IR. Ouais, Mercedes, elle a une OG Rose. Leur gars, elle a un collègue qui a un dubsta, là. Comme celui derrière, je crois que c'est lui en plus. Padre, par contre, j'ai pas vu sa voiture, je sais pas il a quoi comme voiture, mais en tout cas, il est parti derrière là-bas, là, vers le niveau du pont. J'essaie de m'occuper de lui. Eh, je vais être présent. Hein. Je sais. Mais faut pas que Emma le sache pour l'instant. Parce que Emma, elle était love de lui. Ça fait que s'il arrive à revenir vers elle, il va lui retourner le cerveau. Voilà, tu vois ou pas? Parce que les mecs comme ça, où ils ont l'emprise et tout, c'est chaud. Hein. Vous voulez faire quoi? Vous voulez vous poser à la plage? Ouais. Si tu veux. C'est pas raté, hein. C'est pas raté. Incroyable. Magnifique. Alors, papy, t'as fait quoi ta soirée, là? T'as fait quoi ta journée? Si tu savais. T'as été avec tes amis? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Ah, d'accord. Moi, j'ai un entretien, là. Sans blague. Ouais. Bon, ils m'ont donné rendez-vous demain à 23h. Ils vont me faire passer des tests et tout pour voir si je suis apte à être pris, quoi, hein, pour travailler. Voilà, bah c'est bien. Bah j'espère, hein, j'espère. Ah, là je me sens bien là-dedans. Parce que je vais faire ça unicorn plus tard. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh là! D'accord, le seum. Non! Aïe! Je rigole. Mais je rigole. Pardon, excuse-moi. Attends. Je rigolais. Tu vois, vous allez où? C'est des gars que je viens de rencontrer, t'inquiète. Ils passaient dans le coin, ils sont encastrés dans ma baraque. On vient de les rencontrer. Non, t'inquiète, je te ferai pas un coup. Je te ferai pas un coup comme ça, t'inquiète. Non, mais pour le coup, vu qu'il est au courant, tu veux peut-être rentrer dans la maison, comme ça on est tranquille. Je préfère pas. Comme tu veux. Tu préfères ça sur le parking juste à côté, comme ça au moins t'es tranquille. C'est le territoire du gang en fait, juste à côté, comme ça t'es clean. Vas-y. Ok, je vais chercher ça, j'arrive. Comment ça, territoire du gang? Mais ici, on est là pour quoi en fait, je comprends pas. C'est les 410. Non, je sais pas. Me dis pas que c'est les 410 parce que je suis en guerre avec eux. C'est bon, ils vont pas te reconnaître. Ouais, salut Ruby. Ça va? Salut, ça va et toi? Bah... Voilà, attends, voilà, je vais te donner ça. Attends, je vais te donner ça tout de suite. Là. Tu donnes à qui, à moi? Mais non, pas à toi, c'est à elle. Vous savez bien, wesh. Mais oui, j'étais con, toi aussi. Ah, à moins que t'aimes les tenues légères et sexy. Ça dépend. Non, mais ta gueule est rentrée à la maison. Tu l'as eu comment, la tenue? Pardon? Tu l'as eu comment, la tenue? La quoi? La tenue. La tenue, mais c'est ma tenue. C'est une tenue que j'ai faite, que j'ai demandé à quelqu'un de faire. En fait, c'était, j'ai demandé à Mercedes, en fait, si ça ne me dérangeait pas, pour avoir les tenues, enfin, la taille d'une femme, et voir ce qui pourrait aller bien. Mais bon, Mercedes, je lui avais demandé, elle m'avait dit que maintenant qu'elle est passée manager, c'est plus trop son truc. Hop là. Ok, ok. Attends, est-ce que c'est... Ouais, je me suis pas trompé au moins, j'espère. Oh putain, je suis un blanc. Donne-moi 30. Attends. Putain de merde, je fais exprès, c'est pas possible. Ouais, par devant. Bon, à la prochaine. À la prochaine. Je suppose que je sais pas quand c'est prévu du coup. C'était pour ton anniversaire, mais bon. Ouais, mais. C'était 2 jours après ton annif. Ok, bah. Pas du jour alors. Bonne soirée à vous. Allez, ciao. Allez, mec, je te rejoins de toute façon. Oui, je te rappelle la tenue. Parce que. Ah, non, en fait, je suis en colocation avec lui, Marcus. Et Marcus, il est tout coffre. Je pensais avoir. Je pensais. Oui. Coffre de ma. Aïe aïe aïe, putain, c'est quoi cette merde? Aïe. Ok, descends de la voiture, descends de la voiture. J'en étais sûr. Je l'avais dit. C'était sûr et certain. Je l'avais dit ou pas? La vie de ma mère en lono. C'était sûr. C'était sûr. Coupe les phares. Coupe les phares. Coupe les phares. J'ai faim. J'ai faim. Je vais essayer de remettre le capot. Oh la dinguerie. Panique pas, panique pas. Oh le fils de pute. Oh, ça y est, c'est bon, c'est quoi? Je l'avais pas dit. Oh là là. C'est bon, je le fume. Mais ma mère, hein. Regarde bien. On le fume, c'est bon. Pas chercher. Ça y est, t'as type de merde, c'est bon, toutes les raisons. Par contre, on se fait suivre. Derrière. On se fait suivre de fou. Hein. Juste arrête pas. Putain, juste arrête pas. Juste arrête. Allez, c'est vrai, on s'en tire. Oh putain, je suis dans la merde. Hein. Attends, vas-y, on continue à rouler. Je te dis, continue. Dis-moi, il y a quelqu'un sur la radio. Attends, papy, fais pas de temps. Ouais, donc, Padre, il veut bien le but. Là, c'est confirmation sûre à 10 milliards de profit. Ah, mais. Il était masqué ou pas? Non, il était pas masqué. On est d'accord. Il était pas masqué. Il avait la bulle, t'es pas là. Ouais, exactement la même. Oh, c'est lui qui a abusé mon frère. Ça y est, j'ai une raison de buter. Ouais, dis-moi, je me suis poursuivre là par. On a plusieurs raisons, mais pas. Par des mecs. Ils sont bien armés et c'est un peu ma position. Ouais, voici cache-toi la station sauce. Voyez la station sauce. Non, pas ici. Hein? Je suis mort. Non mais je bouge. Il y a Finn qui m'envoie là, du coup le gars avec qui on était. Il dit ça va, planque-toi. Ouais, ça, lui il va se faire reculer lui. Et va te cacher, j'envoie la position. La haine, la vie de ma mère en plus, je les ai vus derrière l'unicorn. Ils étaient tous masqués et tout. Mais. Padre, il était avec des gars, ils étaient masqués et tout, ils montaient dans leur véhicule. La vie de ma mère, c'était sûr. De toute façon, je l'avais cramé bien avant parce que l'unicorn, ils se sont cramés. Vas-y, attends, passe-moi le numéro, Moi, je l'ai compris direct. Et c'était sûr, mais je sais que je l'avais aussi, hein. J'ai un bloc. Wow. Ça part en gueule. Non mais attends, mais tu sais que je les avais vus aussi, hein, parce que déjà, Padre, il était grave bizarre avec papy, déjà de 1, de 2, il arrêtait pas d'envoyer des mecs autour de toi. Ça va ou quoi, papy? Ah ouais. Vous êtes armés ou pas? Marteau, couteau, enfin bref, des armes blanches. Ouais, quoi. Mais là, vous savez pas où ils sont partis du coup? Ils ont essayé de nous suivre, mais après. On a réussi à les semer. Oh putain, t'as fait un appel, papy? Sûrement, attends. Oh non, la dinguerie. Papy, je vais juste enlever ton masque par rapport aux EMS. Au moins, il flippe pas.